Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 11ème épisode de Super Mario Sunshine, soyez bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve à l'écran d'options parce qu'il me semble qu'on a quelque chose qui nous attend sur la place Delfino. Mais la dernière fois, on avait progressé un petit peu dans le parc Fina et on avait libéré Yoshi avant d'aller obtenir un soleil qui faisait pas mal troller. Allez, on va pas vous faire attendre plus longtemps, direction la place Delfino, mesdames et messieurs les gens. C'est normalement si on arrive. Voilà. On a Anti-Mario qui nous attend avec une buse de jet. Et bah allons-y. Hey, Anti-Mario, t'es moche et tu pues. Donne-moi la buse. Hop. Hop. Viens par ici, mon grand. Voilà. Allez. Viens te faire asperger. Viens te faire asperger, Anti-Mario. Prends de l'eau, c'est bon pour toi. C'est l'été, il faut s'hydrater. Voilà, parfait. Et t'as deux doigts d'avoir la turbobuse. Yeah! Maintenez R pour vous déplacer comme elle éclaire. Ah bah ça tombe bien. On a la turbobuse, on peut faire un soleil qui est juste à côté. Mais vraiment ici. Ce qu'il faut faire, c'est vous prenez de l'élan. Par exemple, comme ça. Et youhou! Et on fonce. On fonce dans les policiers. Pardon, excusez-moi, messieurs les agents. Et ce que je voulais dire, c'est voilà, vous prenez de l'élan et vous foncez là-dedans parce qu'il y a un niveau secret ici. Et vous allez voir, ce niveau il est super marrant parce que concrètement, c'est press R to win. Hop, bon, mettez la turbobuse. Et ce qu'il faut faire, c'est simplement timer les sauts pour aller d'une plateforme à l'autre. Et vous avez un coin en plein milieu pour récupérer de l'eau. En espérant juste que je ne ferai pas le fail de louper la dernière plateforme. Oui, oui. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait le fail, les gens. J'ai pas lâché la turbobuse au moment. Vous voyez ce que ça donne. Mais vous voyez que ce soleil est relativement fun. C'est... Concrètement, regardez. Hein. Je le fais à une main. Vous mettez l'angle de caméra comme il faut. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous maintenez R et vous sautez pour passer d'une plateforme à l'autre. Et comme vous avez le turbo, le gros jet d'eau, bah, ça vous permet d'avoir des super sauts. Attention, on va sauter ici. Et on lâche la turbobuse et on prend la plateforme dans la tronche. Ça commence très très fort. C'est moi qui vous le dis. Bon, on a encore deux vies. Je pense qu'on peut y arriver. Oui! Oui! Allez. Et voilà. On a le soleil. 39. Et ça nous fait un soleil de plus sur la place Delfino. Alors il me semble qu'on a encore un truc d'Anti-Mario qui va pas tarder à apparaître, je crois. Laissez-moi vérifier. Ouais. Dernière apparition d'Anti-Mario sur la place Delfino. Enfin, techniquement, avant-dernière. Avant d'aller le faire, j'ai envie de tester un truc que j'ai vu dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Ça marchera probablement pas, mais je veux essayer un glitch. Alors, pour ça, il va nous falloir un piment. Et il va falloir qu'on aille vers la tour qu'on voit là-bas. Parce qu'en fait, la porte qui est là, normalement, on peut y aller avec la turbobuse pour avoir un soleil, mais en se plaçant correctement, on peut glitcher dedans. Alors, que je me souvienne, c'était quelque chose peut-être... Comme ça, on va le mettre genre là. Voilà, on place le piment ici et... Ah, ça n'a pas marché. Attends, on va essayer. En gros, c'est une question de placement de piment. Et si vous placez comme il faut, vous pouvez traverser le mur. Ouais, non, apparemment, ça a dû être corrigé dans la version européenne. Au pire, attendez. On va mettre... Je crois que l'ombre de Mario doit être comme ça. On va essayer de poser le piment ici. Allez. Ouais, non, à mon avis, ouais, il m'éjecte, donc ça veut dire que ça a dû être corrigé. Attendez. Ouais, ça a dû être corrigé dans la version européenne. Je pense que ça a dû être corrigé. Attendez, on va essayer une dernière fois. On va juste remettre la caméra comme il faut. Parce que la caméra, elle doit regarder à peu près comme ça. Voilà.
si j'avance ici, je crois qu'il faut que l'ombre soit là. Je peux pas poser le truc là. Je vais le poser ici. Ouais, non, ça m'éjecte, ça veut dire que ça a été corrigé. Tant pis. On obtiendra le soleil de manière limite. À la limite, avant d'aller poursuivre, je vais vous montrer un autre petit truc à la con. Là par contre, c'est vraiment un truc à la con. Il me semble que ce machin là est un petit peu bugué quand vous laissez de rebondir dessus en... Ah non, apparemment ils ont... Ok, donc la plupart des bugs et des glitches que j'ai vus, c'était dans la version japonaise. Bon, bah, autant pour moi. Je savais pas, donc on va écouter, on fera pas les glitches. Hein. On va retourner voir Anti-Mario parce qu'il a quelque chose pour nous. Et après, on va pouvoir reprendre le cours, entre guillemets, normal de nos aventures. Pas vrai, Anti-Mario? Eh! C'est l'été, tu dois t'hydrater. Il est en bas? Il est en bas, ouais. Oh, il va sur ce qui sert d'arène dans Smash Bros. Je me souvenais plus qu'il allait ici, tiens. avec l'aérobuse. Ok, bah écoute, moi pas par ici, moi je peux mettre là, écoute, hein. Allez, on va se remplir la on va se remplir jet. Et voilà. Merci pour la catabuse. Et maintenant, tant qu'on l'a, on va aller faire un soleil qui est vraiment, mais juste à côté, au sommet du phare. Donc la catabuse, vous l'avez vu en action. Youhou! Parce qu'en fait, quand vous arrivez ici, vous avez ce truc-là. Et ce truc-là, il faut faire un coup de cul dessus, mais il faut faire un coup de cul de très très. Vous faites ceci, youhou! Et arrivez tout en haut, vous faites un méga coup de cul pour briser ce truc-là. Et pouf! Ça fait apparaître un soleil qui va se mettre là-haut. Et... Boum! 40e soleil! Nous avons officiellement un tiers des soleils du jeu. Voilà, comme ça on a pris 2-3 minutes pour aller faire des soleils sur la place Delfino. Et tant qu'on y est, j'ai envie de prendre une revanche sur le Pachinko. De toute façon, il faudra qu'on y passe à un moment donné au Pachinko. Donc, il faut qu'on y retourne dès qu'on peut. Tout qu'en plus, j'ai reçu 2-3 conseils pour ce niveau de la part de ce cher Mahogany, qui, on va dire, en sa qualité de connaisseur du jeu, m'a donné 2-3 conseils qui pourraient s'avérer utiles. On va les mettre à l'épreuve dès maintenant. Direction le Pachinko. Donc déjà, dézoomer la caméra au maximum pour qu'on ait une belle vue d'ensemble sur le Pachinko. Et apparemment, si j'utilise simplement les joysticks... Bon, ça devrait marcher au pire. Jet est censé être une espèce d'aide de façon dernier recours pour choper des pièces. C'est vrai que avoir la caméra dézoomée au maximum, ça aide déjà. Ah, effectivement. Oh, dommage! Mais je vois ce qu'il voulait dire. Effectivement, ça permet d'arriver assez bien aux cases un peu, entre guillemets, casse-couilles du Pachinko. Bon, sans Pachinko, on n'aura pas des masses d'essais, parce que je crois qu'on avait quand même utilisé 2-3 vies sur le niveau avec la turbobuse. Ouais, on a encore 2 essais. Voilà, on se met là, on récupère celle du milieu. Ah, on a pris le truc dans la tronche, tant pis. Ah, ça, entendez-vous à le revoir souvent tant qu'on n'a pas le soleil, le Pachinko, hein. Ah, je suis en train de dire si j'ai pas la bonne vue, ça va pas le faire. Allez, est-ce qu'on peut réussir à rayer cette saloperie de Pachinko de notre liste? Ce serait quand même vachement bien. Voilà. Bon, on va atterrir là-dedans. Voilà, mais l'idée c'est plus de faire des longs vols avec Jet, c'est vraiment plus pour affiner notre emplacement. Pareil pour les coups de cul, pareil que ça sert pas à des masses de grand chose, mais bon, ça reste un réflexe, je les ferai. Au pire, attendez, est-ce qu'on peut essayer un envol précis en partant d'ici? Alors du coup, il faut partir de là. Est-ce qu'on peut... Oh, on peut pas, dommage, on peut pas. Tant pis pour nous. Allez, on a encore quelques essais. Est-ce que j'ai chopé la pièce qui était là? Oh.
Au pire, on peut retenter l'envol avec Jet. Alors, par contre, caméra 2, voilà. On va être plus vers le centre. Hop. Ah, dommage. Dommage, dommage, j'aurais pu la choper, celle-là. Ils auraient pu manquer que celles qui sont en haut. Allez. Et je me suis loupé. Allez. Dernière tentative. Parce qu'après, ça sera notre cinquième game over si on se loupe. Il faudra quand même qu'on retourne un peu dans les autres mondes chercher des soleils. Parce qu'on va pas passer notre vie dans ce pachinko, mais on va quand même y aller à intervalles réguliers juste pour pouvoir l'ajouter à notre liste de soleils récupérés. Hop, 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 hop. Parfait. La méthode n'était pas très orthodoxe, mais on a eu la pièce. On va prendre la zone centrale, au moins elle est safe. Alors celle-là. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu le bon réflexe. Est-ce que je peux avoir la pièce qui est là? Au pire, on va essayer d'aller sur un des trucs. Bon, on va se retenter un envol avec Jet. Ah, dommage! Mais je suis sûr que ça doit être possible en le faisant comme ça. Je suis sûr que ça doit être possible. Allez. Ah. Ah, pff, lol. Ça fait une nouvelle pièce de dans la foufou. Est-ce que je peux. Ah, dommage! Mais je suis sûr, il y a moyen. Dommage, dommage. Bon, plus que 3. Allez, on peut y arriver. Bon, par contre, c'est quand tu veux, Mario. Hein. Quand tu veux. Là, par contre, on va donner un petit coup de jet pour atterrir de ce côté-là. Ça nous en fait 6. Du coup, il nous reste quoi comme pièce? Il nous reste celle-là. Et je crois celle en haut à gauche. Ouais, c'est pas les plus faciles qu'il nous reste. Hein. Dommage. Bon. Et ben, game over numéro 5. Ce sera pas pour aujourd'hui le pachinko, malheureusement. C'est pas pour aujourd'hui. Allez. Allez, on va retourner au niveau où on était. Parce qu'on a quand même le monde 4. On doit quand même terminer le monde 4 à un moment donné. Quoique, c'est quoi ? On est à côté. On avait tenté de l'avoir de manière glitchée. On va l'avoir de manière legit. Il y a le soleil derrière les portes là-bas qui nous tend les bras, on va le prendre. Voilà. Parfait. Ça nous fait donc 41 soleils. Comme ça, ce qu'on va faire de temps en temps, genre au début des épisodes, on peut se faire un ou deux soleils de la place Delfino. Allez, maintenant, on va retourner prendre le canon vers le parc. C'est vrai qu'on a passé la majeure partie de cet épisode sur la place Delfino. J'aimerais bien qu'on continue un petit peu les autres levels, ce serait bien. Hop, hop. Allez, on prend le canon. Alors, c'est le deuxième secret maintenant ou c'est autre chose, je me souviens. Non, je crois que le deuxième secret c'est l'épisode 6. On va voir, on va voir, on va voir. Épisode 5, la grande roue de la Discorde. Effectivement, c'est l'épisode 6, le deuxième secret. Il fait chaud, j'ai chaud d'un coup là. Allez hop. Donc voilà, il va falloir aller vers la grande roue. Donc on va pas s'embêter. Youhou! Bon, bonjour. Ok, donc nous voici à l'intérieur du parc. Et donc on va se farcir de l'escalade. Et en plus, c'est l'escalade qui. Dont je suis pas vraiment fan, mais c'est l'un des soleils que j'aime, c'est peut-être le soleil que j'aime le moins dans ce niveau. Parce que je le trouve difficile. Alors ces trucs-là, on va les laisser de côté, mais si vous arrivez à tous les battre en genre en un coup de queue, si vous arrivez à avoir le grand, vous pouvez avoir une pièce bleue. Et bon, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de faire de la grimpette comme ça. Et
Ces plateformes ont ça de particulier que si vous les arrosez, elles changent de... on va dire leur configuration... caméra 2. Leur configuration change et vous pouvez progresser. C'est comme ça que vous allez pouvoir arriver en haut. Alors du coup, si j'arrive comme ça, en me mettant là, est-ce que je peux les dégager avec un bon jet d'eau? Non, mais je peux les immobiliser. Je pense qu'on va faire ça. Par contre, on va zoomer un petit peu parce que je vois pas grand chose. Et ce qui est pas mal aussi, c'est voilà, quand vous êtes de l'autre côté, vous pouvez leur mettre un coup de poing. Ah, par contre, celui-là, on va peut-être attendre qu'il... Non, il vient vers moi. Regarde d'ailleurs. Au pire. C'est vrai qu'au pire, on peut faire ça. Oh, je me suis pas coincé. Caméra 2. Le seul problème, c'est que les caméras, c'est pas vraiment le point fort de Sunshine. Ça, Sunshine a beau être un super jeu Mario, mais les caméras... franchement, les caméramans, ils étaient plus souvent en pause syndicale qu'autre chose. Hein. Et il faut, en fait, il faudrait qu'on arrive à passer de l'autre côté comme ceci pour choper la grille. Voilà, comme ça, on peut dégager l'autre espèce d'ennemi qui ressemble aux grosses tortues de Majora's Mask, si vous vous souvenez. Voilà, puis comme ça, on peut se servir de ça comme plateforme pour passer à la suite. Par contre, il va falloir qu'on fasse le tour, quoi que, est-ce qu'on peut atteindre... Oui, on peut atteindre ça. Est-ce que je peux leur mettre un coup de cul? Non. Au pire, c'est pas grave, on est plus ou moins à l'endroit qui nous sert d'objectif. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire plusieurs sauts pour s'accrocher à cette plateforme. Et une fois que vous êtes là, vous appuyez sur A pour dégager le gros machin qui était là-dessus. Et... ça suffit à faire popper le soleil qui va arriver au sommet de la grande roue. Et c'est là que... c'est cette partie-là que j'aime pas parce que c'est... En fait, si, c'est de la bonne plateforme de précision, c'est du bon Mario. Mais je sais pas, il y a toujours un truc qui me trolle. Alors oui, vous pouvez aussi repérer le symbole de cercle ici et là pour deux pièces bleues. Mais encore une fois, les pièces bleues, c'est pas pour tout de suite, je le rappelle. Voilà, on reste tranquillou sur la... C'est vrai que quand on le fait avec une manette qui fait pas de la merde, c'est peut-être plus agréable. Et voilà, il suffit de grimper sur une nacelle, et quand vous êtes à la bonne hauteur, ne pas faire ce que je viens de faire. Je pensais que ça suffirait, bon, au pire, voilà. Maintenant, vous savez qu'il faut assurer en donnant un coup de jet. Wow, c'était juste quand même. Donc, on met ça, on profite tranquillement de la grande roue. Et donc, on sait qu'il faut donner un coup de jet et boum! Et c'est notre soleil numéro 42! Allez, je pense qu'on a encore le temps de se faire au moins un soleil pour aujourd'hui. Et donc, ma mémoire ne me faisant pas tout à fait défaut, je suis pas encore sénile, même si je suis bientôt trentenaire, bon, d'ici un petit peu plus d'un an. Je sais de source sûre que le prochain soleil c'est un secret, donc si on le fait suffisamment vite, on peut peut-être même tenter deux soleils en plus encore aujourd'hui, parce qu'on pourrait prendre le soleil secret du secret. Enfin, le soleil caché du secret, bon, et vous voyez ce que je veux dire. Le secret du carrousel des Yoshi, faut juste espérer que la RNG du FKE de Yoshi soit la bonne, parce que il va falloir qu'on aille chercher un Yoshi pour l'amener au carrousel, mais Yoshi veut un fruit aléatoire. Et selon ce qu'il veut, on peut avoir le fruit juste à côté comme on peut l'avoir plus ou moins à l'autre bout du parc. Alors mon cher Yoshi, je vais te poser la question suivante. Voilà, remarquez qu'il manque une place au niveau du carrousel des Yoshi. Bon, je pense qu'il faudra un Yoshi orange, donc probablement une mangue ou un truc, voire probablement une mangue ou un truc comme ça. Bon, on va aller le voir. Alors mon cher Yoshi, quel fruit tu veux ? Déjà, tu veux une mangue. Alors les mangues sont dans le parc, ça c'est... Oh mais il veut la mangue. RNG parfait, le fruit est juste à côté. Voilà, donc on lui donne deux gouttes d'eau. Ah ça c'est de la chance, ça c'est de la chance. Il y a des speedrunners qui tueraient pour avoir la chance que je viens d'avoir. Et voilà, donc il suffit de chevaucher Yoshi. Et il faut l'amener au carrousel. Alors je précise que Yoshi... n'aime pas l'eau, donc évitez de le mettre dans la moindre goutte parce que sinon il sera pas content. Mais ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller à la place où il manque à Yoshi, à dos de Yoshi, et pouf, vous arrivez dans le secret. Oh, c'est celui-là, il est marrant celui-là. Allez. Alors en fait, il va falloir passer d'une plateforme de couleur à une autre. Alors si vous suivez le timing, ça passe. Oh, attends. Eh, merde.
J'ai voulu revenir. En fait, j'ai voulu revenir arrière parce que j'ai vu les clous. Je me suis dit, merde, faut que je les enfonce pour essayer d'avoir une vie. Et je me suis dit, mais oui, tu peux pas revenir en arrière en faisant ça. Allez. 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 Une pièce, donc l'autre a une vie. Est-ce que l'autre a une vie? Yeah! Une vie! Eh, franchement, merci à ceux qui m'ont donné l'astuce, hein. Je vous avoue que je le savais pas, ça. Allez. Viens là, la plateforme rouge. Hop. On va attendre une autre plateforme verte. Ensuite, une plateforme noire. La plateforme noire. Ensuite, une plateforme bleue. Voilà. Et ensuite, une fois arrivé de l'autre côté, on fait les couleurs dans le sens inverse. Donc, bleu, noir, vert, rouge. Hop. Hé! Hey, j'ai mal vu la distance. Ouais! Vous allez voir, avec Jet, c'est tout aussi marrant, cette partie. Hop, 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 hop. Oh, oh shit, oh shit, oh shit. Oh. Je suis pas mort. Cool. Allez. Hop. De toute façon, on se récupérerait pas une autre vie. Yep. Sur le clou, Mario, sur le clou. Sur le clou, s'il te plaît, merci. Et hop. Allez. Par ici. Par ici. Alors vous voyez qu'en plus le timing est pas franchement serré. Je veux dire, vous restez pas 15 ans sur une plateforme à attendre que l'autre arrive. Une verte. Une rouge. Tranquille. Voilà, ça passe. Et on arrive déjà dans la dernière. Ah, attends, est-ce que ce clou-là ne contiendrait pas une vie des fois? Hop. Hop. Non, il contient une caisse. Allez. Donc, on va prendre cette plateforme-là. Et il va falloir simplement qu'on grimpe tout en haut de cette structure. Autant dire que c'est pas bien compliqué. On va juste prendre donc la plateforme qui fait les allers-retours ici. Et. Saloperie. 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 J'étais pas loin. Hop, hop, voilà. Là, là on commence en speedrun, t'as vu. D'abord, une vie. Et puis en plus c'est bien, on a la plateforme qui est juste là. On a un cycle. Hey, c'était just, mais on a un cycle parfait les gens. Hop, excellent. Excellent, excellent, excellent. On va attendre une plateforme. Non, on va prendre toute la suivante, histoire d'assurer notre coup. Voilà. Comme ça, on attend une plateforme verte. Puis une plateforme rouge qui arrive juste ici. Et on peut prendre l'autre plateforme. On sait qu'on a qu'une seule vie dans un clou, donc on va pas s'embêter avec les autres trucs. Là, c'est juste ce cycle-là qu'il faut qu'on arrive à choper maintenant. Voilà, là normalement on devrait. Alors, hop. Alors ensuite, oui, je crois qu'il faut faire des sauts muraux ici. Hop, tac, 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 tac. Et le soleil nous attend de l'autre côté. Alors, on va éviter de se foirer dans le saut. Un joli saut toupie. Et. C'est un soleil dans la foufouille. Et ben voilà, ça nous aura fait 5 soleils en un épisode, c'est pas mal. Je pensais qu'on aurait le temps de faire le secret, mais. On va le garder pour la prochaine fois, le secret. Ça me paraît pas mal. Du coup, les gens, je vous propose de nous quitter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mario Sunshine. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, ou à parler à la chaîne autour de vous. Si vous en dites tout ça, vous le savez. La petite cloche pour notification, ça fait plaisir. Et donc, en attendant la fin du parc Pina la prochaine fois, puis on devrait essayer de clore l'épisode, enfin, en fonction du temps qui nous reste, avec quelques soleils de la place Delfino. Eh ben, je vous remercie une fois d'autres soutiens. Ne changez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!